Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles, vos proches se portent bien aussi. Moi, ça va, alhamdoulilah, du moins, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. C'est vrai que j'étais un petit peu mal fichue, enfin, vous savez, hein, pour celles et ceux qui me suivent de près, vous savez que j'étais très très fatiguée, très affaiblie et que j'avais une toux qui voulait pas partir. Voilà, se plaisait chez moi, je sais pas, elle voulait pas partir. D'ailleurs, elle est toujours là. J'ai essayé aussi tous vos remèdes, vous m'avez partagé énormément de remèdes naturels. Voilà, je suis preneuse de ce genre de remèdes en tout cas, j'ai testé pas mal d'entre eux et malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné sur moi. Ça finira peut-être par fonctionner, je sais pas. En tout cas, ça va un petit peu mieux, alhamdoulilah, j'ai pu vous tourner cette vidéo et c'est le principal. Vous m'avez énormément manqué, très sincèrement. Ça m'a énormément manqué. J'ai échangé avec quelques filles sur Instagram, mais c'était très difficile, je vous cache pas. Je prenais quasiment plus mon téléphone. Il était perdu dans la maison, soit en silencieux. Enfin, j'y prêtais plus du tout attention. Mais bon, vous m'avez tellement manqué que je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vous partage une vidéo. Et puis voilà, chose faite. Aujourd'hui, je vais être en compagnie de mes sœurs. Je dis mes sœurs habituellement, c'est que Zahra, celle que vous connaissez. Mais il y a mon autre sœur qui s'est jointe à nous aujourd'hui. Et on va vous partager plein de belles choses. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Juste avant de commencer cette vidéo, je vais rapidement vous dire un petit peu ce que vous allez y trouver. Alors aujourd'hui, je vais vous partager en fait mon organisation, ma façon de faire, comment je procède lorsque j'ai des invités. Donc aujourd'hui, ça va être un buffet dînatoire sucré-salé en quantité assez importante. Mais sachez que je procède exactement de la même façon que quand c'est un goûter par exemple ou un repas, un classique. Je procède exactement de la même manière. Donc en fait, cette façon de faire, elle m'évite de paniquer, de stresser, d'être dépassée, débordée. J'arrive à peu près à être dans les temps. Voilà, quand mes invités arrivent, je n'ai ni ménage à faire. Je suis présentable. Tout est prêt, la cuisine est clean, le reste de la maison également. Donc voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera d'une grande aide. Allez, let's go, c'est Donc parti. là, je m'apprête à enfourner des pains burgers. Donc j'utilise le moule, hein, celui d'habitude. Voilà. À côté, ma soeur est en train de faire la panna cotta. Voilà. Et ensuite, on va utiliser des petites verrines là ici pour faire. On avait dit pas tiramisu. Tiramisu. Ouais. Voilà. Donc en plein préparatif. Après, pour savoir que là, concernant des pains burgers, enfin tout ce qui est pâte levée, ça se congèle très très bien. Donc l'idéal, c'est de les préparer à J-4, moins 5, voire plus. Ça peut se conserver pendant plusieurs semaines sans problème. Et puis la veille, ce que vous pouvez faire, c'est tout ce qui est crème, donc panna cotta, crème brûlée, tiramisu, tout ça. Donc la veille, c'est parfait. Et en fait, en gros, le jour J, il ne faut rien faire. Juste un petit ménage. Voilà, un petit nettoyage de la maison. Et puis se pouponner, se préparer, quoi. C'est tout. C'est tout ce qu'on fait le jour J pour ne pas courir et être en retard. Alors, petite précision. Donc, déjà, le buffet aujourd'hui, vous allez nous voir le préparer le même jour. Voilà, toutes les préparations ont été faites l'une après l'autre le même jour. Mais sachez qu'en temps normal, je ne procède pas du tout comme ça. C'est juste que là, j'ai su en fait la veille que j'allais recevoir du monde. Mais dans cette vidéo, je vais vraiment vous dire comment je fais en temps normal. C'est-à-dire que quand je sais que je vais recevoir du monde une semaine plus tard, par exemple. Alors déjà, toutes les pâtes levées sont faites plusieurs jours à l'avance et congelées. Ça me permet vraiment de gagner du temps. Et pour tout ce qui est crème, etc., qui ne se congèle pas, eh bien, je prépare tout ça la veille et je réserve au frais. Donc encore une fois, ça ne craint absolument pas. Fatima, tu peux nous dire un petit peu ce que tu nous prépares là? Alors, c'est une panna cotta et là, je suis en train de mettre le coulis de fraises. Et le coulis, comment tu as procédé pour le préparer? Alors, c'est tout simple, c'est des fraises surgelées que j'ai achetées à Carrefour et que j'ai mixées, tout simplement. Je les sors juste un petit peu avant pour qu'ils fondent un petit peu, qu'ils soient pas trop durs, et je les mixe. Donc, en fait, c'est bien, c'est de la fraise 100% au moins que tu. Voilà. Après, selon le goût, après, rajouter un petit peu de sucre ou pas. Ouais, moi, j'en ai rajouté un petit peu. Souvent, la panna cotta, on pense que c'est hyper compliqué à faire. Mais bah en ouais. Fait, franchement, c'est super simple. Il faudrait que je pense à mettre toutes les recettes en description, même si c'était pas une vidéo recette. Je vais essayer de mettre tout en description.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est pâte levée, ça ne craint pas. Vous pouvez les préparer plusieurs jours à l'avance et les congeler. Donc, par exemple, donc les pains hamburger comme ici, les pains bat-bout, vous savez, les petits pains qu'on garnit par la suite. Tout ce qui est, je ne sais pas moi, par exemple, les petits buns, les petits hot dogs, etc. Tout ça, vous allez pouvoir les congeler. Ensuite, tout ce qui est panna cotta, comme je vous ai montré tout à l'heure, crème brûlée, les flans, etc. Des verrines au mascarpone, par exemple, des verrines aux fruits. Eh bien, tout ça, vous pouvez le faire la veille, le mettre au réfrigérateur. L'aspect visuel ne changera pas. Et au niveau du goût, pareil. Mais vraiment, ça sera très, très bon, comme si ça venait juste d'être préparé. Alors, ce que je fais, moi, et ce que je vous conseille vraiment de faire également, c'est de prendre, en fait, un carnet, un stylo, et d'inscrire toutes les choses à faire, toutes les choses qu'il faut acheter, etc. Donc moi, je commence toujours par noter les recettes que je veux faire. Je tiens compte, bien sûr, de ce que j'ai déjà à la maison. Ensuite, je note dans mon carnet les choses que je dois acheter pour compléter justement ce que j'ai. Ensuite, je note également dans l'ordre les préparations. C'est-à-dire, en premier, je vais noter toutes les pâtes levées. Donc ici, j'ai noté le pain hamburger. Ensuite, je vais noter le reste, bien sûr, dans l'ordre. En dernier, je vais laisser tout ce qui est frais. Par exemple, le saumon. Le saumon, je ne le mets jamais la veille sur les verrines parce que je trouve que ça sèche un petit peu. Du coup, le saumon sera toujours mis à la dernière minute sur mes verrines. Ensuite, voilà, le fait de noter comme ça, ça vous permet en fait de savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce qu'il faut passer la deuxième? Etc, etc. Moi, en tout cas, ça m'aide énormément et je suis sûre que si vous le faites, ça vous aidera aussi. Alors ensuite, donc là, je vais changer de sujet. Je vous montre là ici, enfin Fatima vous montre les pics. Donc c'est des pics que j'ai pris chez Carrefour. Ils sont super jolis. Ils les mettent que pendant les fêtes. Il y avait plusieurs coloris. Donc il y avait le doré, le argenté et le rouge. J'ai pris aussi les pics avec la petite étoile au-dessus. Et franchement, elles sont super jolies. Donc voici le rendu. Voilà, de jolis petits burgers très, très, très moelleux. Donc, j'ai utilisé la recette de la pâte magique que vous retrouverez sur ma chaîne. Ensuite, on passe ici aux verrines salées. Donc, c'est des verrines betteraves. Donc, je ne vais pas vous détailler la recette parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais sachez que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire la veille sans aucun problème. Zahra, donc elle est en train de mettre en place tout ce qu'elle a fait chez elle. Elle a préparé plein de choses à base de pâte feuilletée, hein, c'est ça? C'est ça. Et franchement, c'est juste magnifique. Donc ici, c'est des petites tartelettes. Ben, je te laisse dire ce que tu as fait. C'est des mini tartelettes. Au milieu, j'ai mis du fromage à l'ail. Et pour décorer, j'ai mis de la ciboulette. Ah, c'est magnifique. Hein, et tu as fait quoi d'autre, tu peux nous dire? J'ai fait, du coup, j'ai fait les roulés ici avec la saucisse. Ça, c'est une valeur sûre. Ça, tout le monde aime ça. Ici, j'ai fait des palmiers. C'est palmiers saumon et non, la truite fumée, ouais. Olive et fromage. Ah, c'est super joli. Et ensuite, j'ai fait quoi encore? Ça, c'est toi qui as fait aussi. Voilà, j'ai fait les croissants ici. J'ai mis de la dinde et du fromage. Fromage à l'ail. Des tranches de dinde. Des tranches de dinde que j'ai coupées en tout petit. Ouais. Et j'ai mis du fromage. Ça, c'est des recettes que tu as déjà partagées sur ta chaîne ou pas? Non, je vais les partager, Inch'Allah. Ouais, parce que franchement, j'aime beaucoup. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Et ça, c'est quoi en forme de lune? Tu as mis quoi dedans? Ça, c'est fromage et. Quoi comme fromage? Fromage de chèvre. Ah, c'est top. J'ai mis que du fromage de chèvre. T'as pas mis de miel? Non, j'ai pas mis de miel. Ah, c'est magnifique. Voilà tout. Top, voilà. Top, top. Ah, là, voilà. T'as fait une autre déco, là. Ici, en fait, ici, j'ai mis de la ciboulette fraîche. Ouais. Et là, de la ciboulette sèche. Ça change. Attends, ici, je montre. Ouais, j'aime beaucoup. Top. Et ici, donc, j'ai refait la recette de cake salé que je vous ai partagé il n'y a pas très longtemps. Sauf que là, j'ai juste changé un petit peu. J'ai mis d'autres choses à l'intérieur, un peu différentes de la dernière fois. Autre chose qui pourrait vous être très utile. Donc, moi, je vous conseille vraiment de nettoyer la cuisine au fur et à mesure. N'attendez jamais de tout terminer pour nettoyer. Autrement, vous allez vous décourager quand vous allez voir tout ce qu'il y a à faire. Donc, quand, par exemple, vous avez des gros faitous, des cocottes, tout ça à laver qui ne passe pas au lave-vaisselle, je vous conseille vraiment de les laver une fois que vous avez fini de les utiliser. Vous séchez et puis vous rangez dans le placard. En fait, moins vous allez voir de choses sur votre plan de travail et mieux vous vous sentirez. Et je parle en connaissance de cause. C'est des petites choses en fait que j'ai apprises avec le temps et qui m'ont vraiment changé la vie.
Alors un autre petit conseil qui pourra vous être très utile, c'est une chose que je fais moi aussi jusqu'aujourd'hui, c'est que je ne laisse aucune vaisselle ni dans l'évier ni sur le plan de travail avant de recevoir mes invités. En fait, une fois que j'ai fini de tout préparer, que tout est cuit, tout est prêt, eh bien, je fais en sorte de tout laver et ranger. Je lance également mon lave-vaisselle. Pourquoi me diriez-vous, il n'y a pas urgence? Eh bien, en fait, si. Parce qu'en fait, au moment où vous allez servir vos invités, que vous allez débarrasser la vaisselle, si votre lave-vaisselle est plein, vous ne saurez pas où poser votre vaisselle. Et du coup, vous allez devoir les poser sur le plan de travail et vous allez remplir votre évier. C'est pour ça qu'il est hyper important de lancer le lave-vaisselle avant. Comme ça, vous avez le temps de le vider et il sera tout vide pour pouvoir débarrasser votre vaisselle après le repas. Ici, on a des petites cuillères avec du Saint-Mauré. Radia a mélangé en fait le Saint-Mauré avec de la ciboulette. Voilà, elle a haché la ciboulette et dessus, elle a mis des petits morceaux de saumon. Franchement, ça rend hyper bien. Et elle a utilisé une douille pour le Saint-Mauré. Voilà, franchement, c'est magnifique. Et là, on a quoi? Alors, du coup, ça, c'est les petites verrines que Radji a faites. C'est de la betterave qu'elle a assaisonnée avec de la moutarde. C'est excellent, super bidé. Ouais. Et du coup, la petite crème au-dessus, c'est du Saint-Mauré. Elle a utilisé une douille pour le faire. Et du coup, ça fait une petite forme de fleur, c'est super joli. Et du coup, elle a rajouté un petit morceau de saumon et deux petites branches de ciboulette. En tout cas, c'est une très très bonne idée, je ne connaissais pas. Ouais, je vais lui piquer l'idée d'ailleurs. Alors voilà, je vous montre. On a fini de tout poser. Bien sûr, ensuite, on va aller dresser ça au salon sur la grande table. Donc, regardez, tu vois, c'est magnifique, on a bien bossé. Inch'Allah. Franchement, quand vous recevez du monde, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée de buffet. Voilà, on a vraiment de tout. Et là, Khadija va mettre le sucre sur la crème brûlée. Et ça, c'est au dernier moment, on passe un petit coup de chalumeau. Parce que si on le fait trop tôt, ça devient tout liquide. On n'a plus ce croquant sur la crème brûlée. Exactement. Et je reçois souvent, on me pose souvent la question, comment vous faites quand vous faites une quantité comme ça en fait de buffet, est-ce que vous réchauffez ou pas? Alors il faut savoir les filles que quand on fait un buffet de cette quantité là, on peut le manger froid, il n'y a pas besoin de réchauffer. C'est tout aussi bon. Franchement oui, c'est aussi bon si vous le mangez froid. Parce que tu ne peux pas en fait réchauffer toute cette quantité. Et la manger chaude, c'est pas exactement. Comme quand on va à un mariage et on voit un buffet, ouais, le buffet, voilà. On va pas aller mettre dans l'assiette, aller réchauffer, c'est juste impossible. Ouais, non, voilà, un buffet peut se manger froid, il n'y a aucun problème, c'est aussi bon. Alors là, j'ai quasiment terminé. Il ne me restait plus qu'à vider le lave-vaisselle. Comme ça, tout à l'heure, au moment de débarrasser la table, on pourra le remplir de nouveau. Ça évite en fait de laisser la vaisselle sur le plan de travail. Au moins, la cuisine est rangée une fois pour toutes. On n'y revient plus. Et puis, avec mes sœurs, on est passé préparer la table. Après, franchement, honnêtement, très souvent, quand on est avec mes sœurs, c'est souvent Fatima qui s'occupe de la décoration de la table, de la décoration de la pièce, quand c'est pour l'Eid, par exemple, quand il y a une naissance. Donc, souvent, voilà, on la laisse gérer. Elle aime beaucoup ça et elle le fait très, très bien, machallah. Elle a vraiment énormément de goût. Elle sait, en fait, préparer, décorer une table avec ce qu'elle a, en fait, sous la main. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment génial. C'est pas donné à tout le monde. On pense souvent que pour faire une jolie table, il faut avoir beaucoup, beaucoup de décoration. Alors que pas du tout. On peut vraiment faire une jolie table avec peu de choses. D'ailleurs, j'en profite pour vous partager sa page Instagram. Elle s'est lancée très récemment dans l'événementiel. Donc voilà, elle pourra vraiment vous sublimer vos tables, votre intérieur. Peu importe où vous êtes, elle pourra vraiment vous satisfaire, Inch'Allah. Alors, elle est en Haute-Normandie. Alors, si vous êtes de Paris, de Rouen, Mantes-la-Jolie, Elbeuf, etc., n'hésitez pas à l'ajouter, à partager un maximum. Je suis certaine que ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir également. Voilà, on se soutient mutuellement. C'est hyper important, ça ne coûte rien et puis ça fait vraiment plaisir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, donc là, on a commencé du coup à poser notre apéritif sucré salé. Alors, les supports viennent de chez Action. Donc, c'est des plateaux tournants en bambou. Celui-ci vient de chez Action également à 2 étages. Les plateaux miroirs viennent également de chez Action. Franchement, il y a pas mal de choses que j'ai achetées là-bas. Le chandelier or également. Franchement, vous trouvez de très belles choses.
Et je trouve que le bambou, c'est quand même un matériau très joli, qui ne se démode pas. Donc, vous pouvez vraiment les garder dans le temps sans avoir peur que ça se démode, parce que souvent, on a tendance à vouloir être à la page, en quelque sorte. Mais voilà, moi, je trouve vraiment que c'est un très joli matériau. Ensuite, quoi d'autre? Oui, les petits plateaux ici, ça vient de chez Shein. Le petit plateau là-bas avec les cœurs vient de chez Shein également. Donc voilà, je pense vous avoir à peu près tout détaillé. Je vous mettrai aussi d'ailleurs mon code promo de chez Shein qui vous fera bénéficier de moins 15% lors de toutes vos commandes. Donc je vous mettrai ça en barre de description. Voilà, donc ici il y a mon frère aussi qui met la main à la pâte. Il nous donne un coup de main aussi à poser la table. Après, plus on est nombreux, plus ça va vite, donc c'est mieux. Voici nos tiramisu. Donc, les tiramisu, bien sûr, à sortir au dernier moment, quand vous passez à table, comme ça, au moins, vous les mangez bien frais. Et puis, voilà tout.